Salut, c'est Nico. Tu te souviens, dans la dernière vidéo, je t'ai parlé du triangle d'exposition. Et aujourd'hui, on va parler d'un point de ce triangle. Ça va être la vitesse. Dans une prochaine vidéo, on parlera de l'ouverture. Et dans une vidéo suivante, on parlera de la sensibilité. Enfin, les ISO, quoi. Alors pour illustrer cet exemple, j'ai dû prendre mes pots de fleurs qui étaient sur la terrasse, les mettre dans la cuisine, prendre un souffleur de pompe pour un matelas de camping, mettre un truc de ma fille, donc c'est-à-dire un moulin à vent qu'elle a fait chez la nounou, pour expliquer tout ça. Donc alors franchement, restez jusqu'au bout parce que j'ai vraiment mis les moyens de Hollywood là pour cette vidéo. T'as vu, j'ai vraiment mis les moyens d'Hollywood. Alors là, on va faire la photo à 1 sur 1000 et comme tu peux le voir, elle est super super nette, le moulin est totalement à l'arrêt. Ensuite, je vais faire ma photo à 1 125e de seconde. Ça va ajouter un léger flou au moulin avant. Ensuite, je fais ma photo à 1 dixième de seconde et là, on a un magnifique flou sur le moulin. Et enfin, je fais ma photo à 1,5 seconde, F4 sur la première photo et F13 sur la deuxième pour ne pas qu'elle soit trop cramée. Dans la vidéo précédente où je parlais de la netteté qui se trouve là ou là, bon bref, j'y arriverai jamais, je parle déjà de la vitesse parce que ça influe directement sur la netteté de la photo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!